de l'organisation État islamique, qui n'ont décidément aucune limite, auraient trouvé une nouvelle source de financement en instaurant un vaste trafic d'organes en Irak. Est-ce que vous referez à ce moment-là le coup du 49-3 ? Constitutionnellement, vous savez que, contrairement à ce que j'ai entendu par certains experts, y compris de l'opposition, qui n'y comprennent pas grand-chose, le 49-3 est désormais attaché à la loi. La France rurale au bord de la Jacquerie, en une de l'Opinion cette fois, avec ce dessin de CAQ, on y voit François Hollande discuter dans un champ avec Marine Le Pen, elle porte une combinaison de travail. Pour nous, ça va, dit la présidente du FN. On cultive principalement de la colère. Pouh, gros rendement. On vous souhaite bonnes vacances, Nicolas Barret. Vous partez où d'ailleurs, Nicolas ? Pour les vacances, Thomas, je pars 8 jours à la Bourse de Francfort. Et en plus, pour me distraire, j'ai trouvé une édition du livre de Thomas Piketty, traduit en mandarin. J'aimerais gagner. Un arrêt de la Cour de cassation autorise un employeur à lire les SMS envoyés avec un téléphone professionnel. Une décision qui devrait faire jurisprudence. La parade, c'est d'écrire privé au début de chaque texto.